Vous savez que c'est Graves qui va venir vous récupérer à la gare de Northallerton. Donc le trajet se passe sans encombre et donc le chef de train repasse devant les cabines pour vous informer que vous êtes arrivé à destination. Alors, ce Sheridan Hunt, il est quoi? Il est lord? Il a un titre quelconque? Il vit de ses rentes? On ne sait pas. On ne sait pas, mais s'il était lord, ça aurait peut-être été mentionné dans la lettre, quoique non. Justement, Non, ce n'est il n'est pas pas. mentionné, parce qu'ils ont un sacré manoir quand même. Oui, alors très très gros manoir, mais c'est un manoir de famille, donc il y a eu le temps d'être agrandi au fur et à mesure. Mais non, il n'est pas lord. Hein. D'accord, il n'a pas de Un revenu titre connu important en pour tout cas. entretenir tout ça. C'est ça. Vous savez, s'il nous paye 500 livres, d'ailleurs c'est 500 livres chacun, Tout à fait. s'il nous paye 500 livres chacun, je pense qu'ils ne sont pas à plaindre. C'est Holmes qui me règle 500 livres. Oui. Oui, mais enfin, c'est la C'est pas famille. Sheraton. Non, mais ça reste la famille Holmes. Alors, on parle de fortune familiale, je pense que. Certes, ils sont combien de frères alors? Trois. Oui, ils sont trois frères. Apparemment, il n'y a que Sherrington qui habite au manoir, puisque Monsieur Sherlock dit qu'il n'y est pas retourné depuis un moment. Et je pense que si son frère Mycroft est au gouvernement, il ne peut pas habiter aussi loin du siège du Mais c'est gouvernement. ça, ils ont tous une occupation. Que fait ce Sherrington alors? À Qu'il toi de gère le découvrir. le manoir. Ouais, je pensais que c'était notoriété publique. Non, c'est pas. D'accord. Je Non, sais pas. écoute, ce que tu as peut-être pu obtenir comme information, là, comme toi en plus t'es journaliste, c'est qu'il a pris les rênes de ce manoir suite lorsque leur père est décédé. Mais voilà, en fait, il est propriétaire terrien, on va dire. C'est l'aîné, il vit des rentes de son C'est ça. propriété. Il se paye le luxe de tuer un des domestiques. Ah, mais non, on ne sait pas. Enfin, je sais que vous pensez à votre gros titre, Maurice, mais non, j'espère bien que non. Il faut que nous essayions de savoir ce qui s'est passé. D'après Sherlock Holmes, il n'a pas tué. Non, Mais mais peut-être qu'il l'a. on sait très bien que dans ces cas-là, c'est toujours les domestiques, hein. Donc, à mon avis, c'est l'intendant qui a dû faire le coup. Faut savoir à qui profite le crime alors. C'est peut-être une histoire de. Je ne sais pas, moi, de C'est vrai que revanche. ça dépend peut-être du domestique en question. Une histoire de jalousie, une histoire d'amour sans doute dessous. Jalousie, voilà. Et si nous faisions comme Monsieur S. Holmes nous le propose, à savoir d'aller voir sur place avant d'hypothéser, de farfelu d'hypothèse. J'aurais pas dû commencer ma phrase comme ça. Je pense que nous Oui, je n'allons me pas posais tarder juste à. la question de savoir quel intérêt aurait le patron de tuer ses propres domestiques, quoi. C'est Ah, une. mais nous en saurons certainement plus quand nous serons face à des faits. Donc là, le train est arrivé à quai, et donc bah, vous pouvez Descendre les valises. descendre les valises et descendre. Je sens que j'ai déjà des courbatures. Allez, moi j'aide Allez, Maurice. c'est parti. Alors, il y a très peu de monde qui descendent avec vous en fait, mais c'est pratiquement les seuls d'ailleurs. Le quai est relativement vide. Bon, pendant qu'il Ouais, c'est s'occupe de malin. la malle, moi je cherche des yeux le monsieur dont on. Et au bout du quai, vous voyez un homme pas très grand, plutôt petit en fait, un peu rondillard, qui est avec un panneau. Et sur ce panneau, il y a marqué Mycroft Manor. Ah, je l'ai trouvé, regardez, il est là, messieurs, messieurs, par ici, par ici. Oui, où? Ah, Et ah je vous guide parce que comme vous avez la malle, vous voyez rien. oui. Par C'est ici. sûr. C'est notre homme. Faites attention, il y a une grosse flaque d'eau là. Ouf. Plus vous vous rapprochez de lui, plus vous voyez qu'il a quand même une certaine prestance, hein. D'un certain âge, une cinquantaine d'années bien passées, qui se rapproche de la soixantaine, mais tout de même une allure assez fière, les cheveux impeccables, la tenue impeccable. Et en vous voyant vous approcher, Miss Gibson, je présume?
Ah, c'est tout à fait exact, monsieur. Et Très c'est vous bien. qui nous attendez pour nous conduire au manoir. Effectivement, monsieur Sherinford m'a demandé de vous accompagner jusqu'au manoir. J'ai amené donc une voiture pour que vous puissiez faire le trajet jusque tranquillement jusqu'au manoir. Et de qui êtes-vous accompagné? Ah bien, vous voyez, derrière moi, vous voyez le monsieur, le plus petit des deux qui peine en portant la malle, c'est mon fiancé, monsieur Harding. Derrière lui, le grand avec les lunettes, c'est monsieur Finlay. Et juste à côté, là, monsieur Dixon, le monsieur avec bien charpenté avec la canne. D'accord. Et en vous voyant un petit peu rougeaud et ayant des difficultés avec les bagages, écoutez, je vais vous accompagner. Je vois que vous avez les valises bien en main. Je vais vous accompagner jusqu'à la voiture. Alors moi je le suis, Et nous, j'ouvre on la marche tire. derrière. Et nous, on porte les valises. Il descend une petite marche en fait devant. C'est une superbe carriole en fait. Et une petite marche qui te permet donc de poser le pied pour pouvoir entrer. Tranquillement, pour que Miss Gibson puisse rentrer tranquillement dans le véhicule. Mais moi je vais m'asseoir en attendant ces messieurs, je range mes jupes, mon chapeau et tout en étant assise. Dans mon Si mouchoir et tout. vous voulez bien me donner un coup de main pour mettre les valises au-dessus du toit, pour que je puisse les attacher. Je pense qu'il faudra faire plusieurs voyages, vous voyez, ça c'est que la première partie. C'est quel style C'est quel type de calèche? C'est C'est une tiré par des calèche chevaux? qui est pourrie par des chevaux, bien sûr. Ouais. Très bien entretenue, pas forcément de première jeunesse, mais très bien entretenue, elle est impeccable. Elle a même un toit. Bienvenue à North Sarrelton, messieurs, dames. Merci, merci. Je souffre Merci. en ayant déposé la valise à ses pieds. Là, au loin, vous devinez un petit peu la ville, qui est une ville de taille moyenne quand même. Et bah, en attendant que les valises soient bien installées, soient bien fixées, donc ils vous invitent à rentrer. Allez. Allez, Et une fois tout ça bien fixé, donc il se met à l'avant et puis il se met en route. Donc vous traversez ce petit village hein, qui est ma foi assez sympathique. Vous devinez quand même une très belle église, plusieurs bâtiments assez imposants, beaucoup d'animation quand même dans cette petite ville. Et le convoi donc sort de la ville, s'éloigne et vous voyez assez rapidement des champs qui se succèdent, des petites fermes. Et il vous conduit assez rapidement quand même vers un chemin un petit peu plus escarpé pour vous mener jusqu'au domaine de Mycroft Manor. Il y a une photo, je crois. Oui. Oui. Un beau manoir que voilà. Ah, c'est sûr que ça me change de mon deux pièces dans les greniers Alors, je crois que je vous l'ai de Londres. partagé, hein, le Oui, manoir, il doit être voilà, dans vos pièces, comme vous aviez réussi à le trouver. Regardez, on dirait qu'il y a une verrière. Hein. Je crois apercevoir une verrière. Et donc, il se gare tranquillement dans la cour, mais il y a déjà du monde. Alors, juste une petite précision, en fait, sur le chemin qui mène donc au manoir, il y avait dans les champs effectivement beaucoup d'ouvriers, etc. C'est des parcelles en fait de champs avec des bois. Et vous avez quand même croisé un homme habillé en civil qui semblait partir du manoir, mais qui marchait sur la route. Mais Monsieur Graves avait l'obligation d'arriver très très vite. Donc peut-être vous ne l'avez pas aperçu sur la route. Donc voilà. Donc vous voilà arrivé devant ce magnifique manoir. Donc en fait, si vous regardez bien, bon, ce qui n'est pas vraiment le cas sur la photo là, mais il y a deux ailes. Et il y a effectivement une serre sur le côté du manoir. Ouais, il est immense. Oui. Et vous allez remarquer, bien évidemment,
devant le manoir qu'il y a déjà un attelage qui est présent, qui est là et devant vous, à n'en point douter. Il y a un membre des forces de l'ordre du village de Northallerton. Monsieur Greff se gare à côté. Greff se gare à côté et puis vous pouvez descendre tranquillement. Ah bien, j'espère que c'est lui et ses domestiques qui vont se charger des valises de Madame Gibson. Donc je regarde à droite, toujours je suis émerveillé par la verrière. Mais je porte quand même attention aux gens qui sont déjà là. Un petit peu. Je vais aller directement. Je vais aller me présenter auprès de. C'est un Bobby qui est là ou c'est un. C'est le constable du coin. C'est un constable. Ok, yes. D'accord. Je vais aller me présenter à lui. Très bien. Bonjour, je suis Harry Dixon, inspecteur de CID. Ah, très bien, inspecteur. Et décidément, on envoie de plein d'inspecteurs du Scotland Yard. D'ailleurs, il y a un des inspecteurs qui vient de partir. Je me demande bien pour quelle raison on nous en envoie tant. À croire que nous ne sommes pas capables de répondre et de trouver le coupable de cette histoire, si je puis me permettre. Non, mais bon, on arrive en renfort, vous inquiétez pas. L'histoire sera vite réglée, je pense, avec vos compétences, je pense. Ce sera vite résolu, cette histoire. Qui est donc l'inspecteur qui vient de partir? Alors, l'inspecteur qui vient de partir, c'est l'inspecteur Tobias Gregson. Que tu peux peut-être connaître. Et donc devant toi et devant vous, vous avez donc le constable Culverton. Tu peux me faire un jet de psychologie si tu veux. Constable, c'est l'équivalent de quoi? C'est un inspecteur. Ouais, c'est un inspecteur. En chef. Alors, qu'est-ce que tu veux demander un jet de... De psychologie, si tu veux. De psychologie. Youpi. Oh là là. My God. Bah, écoute, ce que tu peux voir en regardant un petit peu ce constable, c'est que lui, il comprend pas vraiment pourquoi vous êtes là, vous. Déjà, et ce que vous venez faire et vous mêler de cette histoire, parce qu'en fait, c'est quand même c'est très simple. Sherrington est coupable et il n'y a pas d'autre histoire à faire là-dessus. Et donc, il n'a pas besoin de votre aide, finalement. Ah oui, Sherrington est coupable, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela de but en blanc de cette manière ? Je vais m'interposer. Ah, excusez-moi, Monsieur Finlay, je me présente. Oui, bonjour, Monsieur Finlay. J'étais invité par la famille Holmes. Ah, très bien, d'accord. Ah oui, donc vous avez l'honneur de connaître Monsieur Holmes. Oui. Ah, très bien. Et qui sont vos amis derrière vous? Vous avez la charmante dame qui est là, qui est en train de faire l'inventaire de ses valises, et qui s'appelle Madame Gibson, une amie aussi, qui était invitée, et son mari, Monsieur Hardings, enfin pardon, son fiancé. On n'est pas marié encore. Son fiancé. c'est pareil. Du détail. Dites-moi, Constable, vous allez vite aux conclusions, il me semble. Vous avez le mobile, vous avez l'arme du crime. D'ailleurs, qui a été tué? Alors, l'arme du crime, bien évidemment, nous l'avons. Elle se trouve actuellement dans le coffre de mon établissement. Donc, voilà. Après, écoutez, c'est simple.
Nous l'avons retrouvé, il a tué cet homme, ce pauvre, évidemment. Non mais comment osez-vous? Comment osez-vous, inspecteur? Voyons, après tout ce que Sheringan a fait pour la ville, a fait pour les gens ici, et vous osez encore l'accuser? Sans lui, votre commissariat n'existerait même plus. Et vous voyez, Graves qui n'a pratiquement rien dit, en fait, depuis le début, qui commence à rougir et à s'énerver, quelque chose qui visiblement ne lui ressemble pas du tout. Et qui commence à s'agiter, à se montrer menaçant vis-à-vis du constable. Bon, écoutez, Graves, je ne vais pas discuter de cette affaire avec vous, ni avec... Quittez cette propriété! Non, bah, de toute façon, je m'en vais. Et il a le temps de te dire, Harry, que si besoin, vous pourrez venir le voir pour discuter de cette affaire en ville, à l'occasion. Parfait. Moi, je vais m'approcher de Graves après son éclat et je vais lui dire oh, « C'est un homme totalement détestable que ce policier. Aucune manière. Vous avez bien eu raison de le chasser comme vous l'avez fait. » Ah, mais de la graine de mécréant, cet inspecteur, ce constable. Ah, s'il ne me retenait pas, je lui ferais mordre la poussière. Et puis, oser venir sur le domaine de Monsieur Sherrington pour l'accuser de façon absolument... totalement dénué d'arguments ou quoi que ce soit, je trouve vraiment que c'est odieux. C'est un charmant homme que ce monsieur Sherrington, n'est-il pas vrai? Mais bien entendu, c'est l'esprit même de Northallerton. Sans lui, il n'y aurait plus rien ici. Oh, j'en suis tout retourné, je vais excuser mes manières, madame. Vous êtes tout excusé. Je vois que vous êtes très dévoué à Monsieur Sherrington. D'ailleurs, va-t-il nous recevoir ce oui, soir? Oui, bien entendu. Il va nous recevoir. J'ai eu peur un instant qu'il n'ait déjà été arrêté et mis en prison par cette... Il a fait un bref séjour en prison, effectivement. Il a fait un bref séjour en prison, mais il est revenu il y a peu de temps au manoir. Si vous voulez bien me suivre. S'il y a des domestiques, ils peuvent se charger de la malle. Je... Alors non, il n'y a pas de domestique. Ah non, il n'y a pas de domestique. Alors, juste avant de suivre Monsieur Crage, j'ai dit, excusez-moi, mais vous pourriez faire monter par, je ne sais pas, une femme de chambre ou un... Oui, on va s'arranger, vous en faites pas. Voilà, donc faites attention, celle-ci est un petit peu plus fragile que les autres. Plusieurs femmes de chambre, c'est... une dizaine, hein, à peu près. Et bien musclée. Et une petite pluie qui commence à tomber, d'ailleurs. Hein. Je vous invite à rentrer. Je ne voudrais pas abîmer mon chapeau. Vite, pressons-nous. Ah, moi, je suis ébahi par la demeure et surtout par la verrière. Y a-t-il de l'électricité? J'essaie de deviner moi-même si cette bâtisse est équipée par l'électricité. Alors, pas du tout. Hein. L'électricité ne vient pas jusqu'ici. Hein. C'est étonnant, mais tout de même. Ai-je propriétaire tel que celui-ci? Ah oui, quand même. Intéressant. Peut-être pour bientôt. Bon, quelque part, je suis soulagé. Ça sera pour une affaire... de magnétisme, de regrettable. Donc là, vous allez arriver dans le hall d'entrée. Et donc, c'est un autre personnage qui va prendre en charge les invités. Il s'agit donc de Jevers. Alors, juste un petit point au niveau du rez-de-chaussée, en fait. Donc là, vous êtes dans le hall d'entrée. Vous voyez donc qu'il y a des... différentes portes dans cette pièce. Il y a des placards, donc on vous prend notamment vos manteaux et chapeaux afin de les ranger dans les placards. Et donc vous êtes, on va vous faire patienter dans une petite salle à côté qui est donc un salon d'attente. Grevels, tu dis? Jevers. Jevers, monsieur. Jevers. Vous êtes majordome? Oui, tout à fait. Je suis au service de Monsieur Sherrinford depuis une bonne dizaine d'années. Je le préviens tout de suite de votre arrivée et je vais lui demander de patienter dans cet endroit et je viendrai vous chercher pour vous conduire à Monsieur Sherrinford. Eh ben, nous attendrons. C'est bien aimable à vous. Donc là, Monsieur Jevers respire l'Angleterre, hein. Respire la haute tenue, l'étiquette. Il n'y a pas un poil de travers, sa tenue est impeccable, les traits assez autoritaires. On voit tout de suite que voilà, c'est autre chose que Graves. Hein.
Donc là, vous vous trouvez donc dans le salon d'attente. C'est la, la première porte que vous avez sur votre gauche. Donc c'est un endroit confortable. Il y a un sofa, des chaises, des tables, un petit placard à liqueurs, même si le cœur vous en dit. Donc il y a des peintures au mur et notamment un homme, une peinture qui représente un homme corpulent avec une barbe noire et qui semble ressembler à Sherrin Ford, mais pas tout à fait. Il est quelle heure environ ? Est-ce qu'on a une notion d'heure ? Donc là, écoute, vous avez dû arriver vers 13h à Northallerton, le voyage est assez court, pour arriver jusqu'au manoir, il doit être aux environs de 14h. S'il y a une petite liqueur qui traîne dans un coin, je vais me verser un verre, et puis je vais m'installer dans un fauteuil en cuir bien confortablement. En attendant. Monsieur Sherrin Ford est prêt à vous recevoir, messieurs, dames. Ah, mince. Si vous voulez bien me suivre. Je repose mon verre. J'ai même pas le temps de bourrer ma pipe. Je remets mon complet un peu en ordre. Tant pis pour les traces de sueur, tant pis pour les traces qui auraient pu s'accumuler pendant le transport des bagages. Oui, c'est ça. Les joues rouges. Donc là, Jevers va vous conduire donc au bureau de Sherrington Holmes. Alors qui donc là est à droite et c'est la dernière pièce, c'est celle qui est tout au bout. Vous avez quatre portes en fait. Donc la première sur la gauche qui est donc la salle d'attente. Vous avez ensuite une autre pièce sur la gauche donc qui est actuellement fermée et en face. Il y a donc le bureau et en face de la salle d'attente, vous avez une pièce également fermée. Voilà, et donc vous entrez dans le bureau de qui est donc assis à son sur un fauteuil. Il se lève. Donc vous voyez donc un homme d'une bonne une fin de quarantaine d'années, plutôt d'allure fière. Vous voyez tout de suite que c'est un aristocrate. Hein. Ça sent de tous ses pores de sa peau. Il a la tête haute tenue. Et il s'avance vers vous, a priori contre toute étiquette. Hein. Il s'avance vers vous et il tend la main à Emily Gibson. Je suis enchanté de vous voir. Écoutez, j'ai été averti il y a peu de temps par le télégramme de mon frère qui m'a fait part de votre arrivée. Pour moi, c'est une surprise, mais une si bonne surprise. Je veux vous remercier d'être ici. Oui, nous sommes enchantés de faire votre connaissance, Monsieur Sherrington. Est-ce que vous voulez voir un verre de brandy ou quelque chose ? Je me doute que le voyage a dû être difficile. un demi-verre, alors. Hein. Jevers, vous voyez qu'il appuie sur qu'il agite une petite clochette. Jevers, servez donc à ces messieurs dames ce qu'ils veulent. Ce serait, enfin pardon, Emily, je vous en prie. Allez, quelque chose de pas très fort hein, pour moi. Je ne voudrais pas. Et vous voyez apparaître comme par magie, comme si ça se tenait derrière la porte. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Moi, j'ai salué timidement cet aristocrate qui m'impressionne. Et j'aurais demandé à M. Jevers juste un verre d'eau. Ça sera parfait. Monsieur Finlay, c'est ça, si j'ai bien compris ? Oui. Monsieur Harding, Monsieur Dixon. Enchanté, Monsieur Holmes. Enchanté, c'est ça. Mon cher, vous a bien décrit, effectivement. Je vous reconnais tout de suite. Écoutez, installez-vous tranquillement. J'ai beaucoup de choses à vous confier. Sortir un carnet. Moi, je vais sortir mon carnet. Prêt à écouter ce que va nous dire Monsieur Holmes. Je m'installe bien droit sur l'endroit que mon conseil est. Presque sur le bout de la chaise ou le bout du canapé, comme si j'étais prêt à repartir, en fait. Ou trop intimidé pour m'installer complètement dans le... Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé dans ce manoir ? Est-ce que vous connaissez l'histoire ? Nous avons discuté deux secondes avec le constable, mais on n'a pas eu trop le temps de savoir ce qui se passait. Ah,
écoutez, ils veulent tout me mettre sur le dos, comme on dit en France. écoutez, simple. Je réalise maintenant que tout a commencé il y a 3 mois, lorsque Fishbane, c'est le nom du défunt, il est venu travailler pour moi. Il était très secret, fuyant même. Il ne vous aurait jamais regardé droit dans les yeux, encore que personne n'aurait voulu qu'il le fasse. Ses yeux étaient deux globes vitreux très grands, presque aussi protubérants que ceux d'un crapaud. De toute manière, je n'aurais jamais engagé si Stark, c'est le chef des ouvriers. Il ne s'était porté garant de lui. Stark ne m'a jamais raconté d'histoire depuis qu'il travaille pour moi. C'est lui qui a la charge de commander tous les ouvriers. Hein, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis désolé. Il se resserre un verre. Vous voyez quand même qu'il est assez choqué et puis perturbé. Stark m'a dit qu'il avait connu ce Fishbane pendant les années où il travaillait à la marine, que l'homme était un honnête travailleur en train de traverser une mauvaise passe et qu'il avait besoin d'un travail à tout prix. Moi, je lui donnais donc mon accord, car je déteste voir un honnête homme rechercher sincèrement un travail en vain. Et ce que je pensais de la personnalité de l'homme n'était pour moi que secondaire. S'il était assez bon pour Stark, moi, je me devais de lui donner sa chance. Il reboit son verre et un petit peu secoué. Mais tout ça est bien beau, mais nul homme ne peut prétendre juger parfaitement ses contemporains, n'est-ce pas? Quelle qui était la mentalité de Fishbane lorsque Stark l'a rencontré, l'homme n'était plus le même. J'aurais dû me fier à Graves. Graves, vous l'avez croisé, Graves, je crois, c'est lui qui est venu vous chercher. Il m'avait prévenu qu'il y avait quelque chose de bizarre chez Fishbane. Il allait à la bouteille, trop à la bouteille, comme si sa vie en dépendait. Comprenez-moi bien, je ne suis pas opposé à de solides libations, mais quand un homme boit comme un poisson, enfin, Fishbane portait bien son nom, Fishbane. J'ai appris par Graves que Fishbane avait manqué le travail, mais que les autres ouvriers l'avaient couvert. J'en ai parlé avec Stark, qui m'a précisé que Fishbane souffrait d'une ancienne blessure et que c'était la raison pour laquelle il buvait autant. Stark et les autres couvraient son absence lorsqu'il avait vraiment trop mal, et lorsque j'ai appris cette infirmité, j'ai eu pitié du pauvre garçon. Réellement, je me suis alors souvenu d'avoir remarqué que sa démarche était moins assurée qu'au premier temps de son arrivée au manoir. J'ai alors dit à Stark de ne pas s'inquiéter du travail de Fishbane, qu'il pourrait s'y remettre dès qu'il irait mieux. Et bientôt, j'ai pu deviner qu'il avait suffisamment remis pour commencer à sortir avec Lucinda. Lucinda, c'est la femme de chambre. C'est une jeune fille originaire de Cornwall qui travaille au manoir depuis quelques années maintenant. Elle est arrivée, elle avait 14 ans, mais c'est un peu comme ma fille. Il avait souvent accosté la pauvre fille, il y a longtemps que je l'avais remarqué. Finalement, Lucinda s'est confiée à Miss Hooper. Miss Hooper, c'est la cuisinière. Vous pourrez le rencontrer un peu plus tard. Elle était comme une mère pour la jeune fille depuis qu'elle est arrivée ici. Et Miss Hooper m'en a parlé. Dès que j'ai appris cela, je suis allé droit au quartier des ouvriers. Et en termes clairs, j'ordonnais à Fishbane de travailler la fille, de laisser la fille tranquille. Sinon, non seulement je le renverrais, mais il recevrait en outre une solide raclée. Il se contenta de me fixer avec les yeux vitreux bulbeux. Et là, il s'arrête à nouveau et puis vous le voyez qui se resserre.